ce matin pour faire nous une conférence de presse plutôt que d'habitude, parce que demain c'est Nomination Day. On va profiter de votre aide pour inviter les gens ce matin aussi. Alors, plusieurs sujets. Le premier sujet concernant la visite du chef ministre de Uttar Pradesh. Je dois dire, voilà le point de vue du PMSD. Le chef ministre de Uttar Pradesh représente 220 millions de personnes, un des plus grands États de l'Inde, et il est élu démocratiquement. Il est l'invité d'honneur de l'État mauricien pour le 2 novembre. Il a été aussi choisi directement par le gouvernement indien pour représenter le gouvernement indien dans ces fêtes, vous savez. L'invité était le chief minister du Bihar. Il n'a pas pu venir. C'est le gouvernement indien qui donc propose le nom du chief minister de Uttar Pradesh. Donc, voilà la position du PMSD. Il n'est pas question que nous faisons un affront public au chef ministre. Ce n'est pas dans nos habitudes. C'est mal élevé. Cette personne, il vient dans nous la case ici. Il a été invité correctement. Il fait une vigne dans nous la case ici. Et il n'est pas dans les habitudes de la bienséance ni de l'hospitalité d'être mal élevé envers lui. Donc, je suis allé hier et aujourd'hui, on a un rendez-vous avec lui et le ministre Gijirat Singh à 4h30 à Trobisch. Et on prend ce rendez-vous là. Ce sera un rendez-vous privé et pendant ce rendez-vous-là, en prenant toute l'occasion, exprime-moi, donne mon point de vue et explique nos invités ce que ça veut dire les relations intercommunautaires à Maurice, ce que ça veut dire l'unité nationale pour nous, comment nous interprétons l'unité nationale et ce que c'est le vivre ensemble mauricien. Bien sûr, je ne pas partage par la position du chef ministre concernant en particulier mêle religion et politique. Il ne faut pas partager ça du tout. Et il faut aussi l'occasion pour moi, en toute franchise, de lui faire part de mon opinion. Mais ce sera fait dans une réunion en tête à tête, comme se doit les règles de l'hospitalité. On peut bien expliquer que nous vivons dans une société multireligieuse, fragile, et que tous nos bons politiciens, nous avons fait tout ce qui est possible pour protéger la fabrique, le fabrique sociale. Maintenant, je me trouve regrettable qu'un bon parti de discours qui finit faire en créole par le Premier ministre ou même en anglais, pas fin compris. Surtout en créole, pas fin compris par nos bons invités de marque. Ni, je vous ai dit, un bon parti, je trouve aussi regrettable, que le discours du chef ministre et du ministre Gijirat Singh, pas fin compris, en tout cas dans sa totalité, par un bon parti de la population mauricienne. De côté ça, ni on n'a pas compris ce qu'il racontait en créole, ni un bon parti à la population mauricienne, pas fin comprendre notre message qui est bien important dans une fête nationale. Et donc, on pensait qu'il est l'heure pour le gouvernement, dans une fête nationale, organise une traduction spontanée, immédiate, faire maintenant avec Banti écouteurs, etc., dans toute conférence, non seulement pour Banti qui peut assister, mais aussi pour la population qui peut regarder à la télévision ou à la radio. Mais on parle plus loin pour dire qu'aujourd'hui, dans une société moderne, offert une interprétation en sign language pour du monde qui s'ouvre. Pensez qu'à la veille du 50e anniversaire, qu'il l'air, quand on peut regretter la modernité du pays et la fabrique sociale, qu'il est capable d'offrir sa traduction-là à tout bande mauricien, qui me suis intéressé pour connaître exactement qui peut dire et qui peut passer. Donc c'est ça donc mon
mon observation. Voilà une façon de s'assurer qu'il y ait une consolidation de l'unité nationale quand tout le monde est capable de participer pleinement dans une fête de ce genre. Concernant Madame Speaker, on vient dire que sur l'attitude partisane et même révoltante au Parlement, c'est une fait de sorte que Mamad Kodabaka s'est emporté dans ce discours. Vous pensez que même Deputy Speaker Tilak Dari, lui aussi, il trouve l'attitude du speaker inacceptable à travers ce lettre qu'il a publié ce matin. Je vous ai dit et me confirmer que quand Adrien Duval aussi, si député speaker, qu'il est venu guetter moi pour faire moi part, non pas de ce PDM, parce qu'il ça jamais Adrien Pancoza moi, mais du fait que madame là très sélectif dans mission et d'une façon de make sure que toute bonne mission qui est correcte, c'est lui qui prend, et toute bonne mission qui est moins bon, c'est le député speaker qui fait. Mes amis, Adrien, bien sûr, pas fait une cause à moi au niveau PDM, et d'ailleurs, mon pas partage Tilak Dari sur la réservation de ce PDM, je pense que c'est adéquat, mais de montrer qu'il y a un malaise au sein même de l'Assemblée nationale, non seulement entre la speaker et l'opposition, mais aussi la speaker et la deputy speakers. On dit que mon mot, mon propos de Mamad Kodabaka déplacé, on dit que ce mot mal choisi, mon je note qu'il définit immédiatement offert ses excuses, des excuses, et comme on nous connaît, d'un commun accord, Mamad Kodabaka se nous dit en retrait de la politique jusqu'à nouvel ordre. On vous a dit quand même qu'il PMSD sorti là. Grandi parce que nous seuls, SEUL, parti, qui prend action. On rappelle tout mon camarade journaliste. Le cas de Jahangir, qui n'est pas sorti en public, mais le cas existait. Hein? Pas quoi que le cas de Jahangir pas existé. Il existait. Le cas de Soudan, qui nous tout fin trouvé concernant sa madame-là. Et c'est pas un propos, il finit associé avec Navin Ramgoulam, etc. Le cas de Sisanka, qui est un cas rapporté à la police. Le cas Tarola. Et le cas Retna, femelle lycéen. Tout ça, ce cas-là, a fini suivi d'aucune sanction, ni d'aucune excuse de la part des personnes concernées. Aucune excuse, aucune sanction. Voilà la différence du PMSD. Vive la différence PMSD. Moi, le plus loin, pour dire, quand Paul Béranger te dit Nita de Palsing, Al Roden Marie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand Navin Ramgoulam te adresse à Nita de Palsing l'épisode micro. Je n'ai pas besoin de répéter ça. Que d'étudier quand le micro est en panne. Il n'est pas tombé suffisamment en panne tout le temps. Mais dire aussi que ça aussi pas suivi d'aucune excuse ni d'aucune sanction. Donc PMSD sort-il a grandi, montrer ce différent, l'occasion pour nous, montrer nos différences. Mais dire aussi, encourage-nous pour réactualiser nos codes de conduite. Nous pas une pensée dans nos codes de conduite, pas une pensée qui ne s'est pas arrivée. Nous pour réactualiser dans nos codes de conduite et prenant dorénavant une section concernant respect
de la femme, et vice-versa aussi, hein, et aussi, bien sûr, gender equality. Ça, au groupe NP, dernièrement, voilà, en tout cas. Hein. Maintenant, je serai au Parlement mardi, enfin, le travail continue. Moi, j'espérais qu'il, quand même, ce sera un mal pour un bien, qui speaker pour nous comprendre, qui en tout cas salit de l'opposition là pour pas accepter n'importe quoi, qui va le complot arrêter, nous tous une témoin du complot entre Madame Speaker et Premier ministre. Nous espérer que partisanerie pour arrêter, nous tous laisse côté 24 minutes répondre dans 30 minutes. Après, on dirait bien supplier pour gagner question parlementaire. Je ne suis pas là pour supplier, moi. Je suis là pour exiger le droit qu'un leader de l'opposition ait. Laisse-nous oublier ça. Nous pensons seulement à Prime Minister's Question Time. Tout, ma question ragoubard qui peut venir. Tu peux tolérer une longueur extraordinaire pour que toute bonne question de l'opposition pas arriver. Donc, fin gain, beaucoup précédent. Aux partisaneries de la speaker, jusqu'à Paul Béranger lui-même se dire que la pire des pires, c'était elle-même. Donc, j'espérais que tout le monde va tirer une leçon qu'il a besoin de tirer et comprendre qu'il n'est pas une opposition lesbote, nous pas une opposition paillasson, et avant tout, nous là pour défendre la population et nous faire lire d'après nos droits constitutionnels au Parlement. Nous prévenons à la charge, même à travers le PNQ, aux certains agissements de Mme Speaker, pression qu'il mettait pour que biscuit, même 24 roupies, même boîte, fin rentrer, ça coule là et servir une tierce personne pour faire biscuit qui vaut 24 roupies, vaut 700, vendez en arnaque. C'est un pur arnaque, mon réaliste. Si je n'ai pas content, je invite à poursuivre moi. Si je suis là, pour poursuivre moi, jamais pas de poursuivre moi. Qui fait? Parce que c'est un arnaque qui peut faire un biscuit 24 roupies, peut vendre 760 roupies. C'est une la honte pour l'île Maurice. Et biscuit finit refaire sur l'entrée début des semaines dans Duty Free. Nous pouvons revenir aussi dans les autres agissements troublants de la speaker. Maintenant, mon besoin dénonce aussi ça la guerre menti-menti entre MMM et MSM dans le Parlement. Un match arrangé qui vient de faire pour épater la population à la veille du nomination D, mais personne pas dupe de cela. Nomination D, justement, demain. Nous pour rassembler à 10h45 à l'avenue Tulip, à Côte-Rond-Point. Nous invitons tous nos bonnes partisans là-bas. Et nous pour marcher jusqu'à l'école. Maintenant, nous pas pour un défilé de voitures, parce qu'avant tout, nous soucions non seulement de l'environnement, mais aussi du problème de trafic qui est conséquent à Quatre Bornes. Et nous pas envie démarrer dans une situation que nous pouvons bloquer tout le monde et faire bloquer Quatre Bornes entièrement. L'enjeu de cette élection-là, moi, je vais dire comme ça, hein. Moi, je suis persuadé que l'élection générale va être avril-mai l'année prochaine. Donc, entre nous, qui veut dire sa élection partielle-là, à la veille à l'élection générale, c'est surtout que c'est un début. C'est dans le contexte de la marche vers les élections générales. Ce contexte, c'est la marche vers les élections générales, et ça, c'est un pas important dans sa marche-là. Il faut démontrer clairement qu'il permet de définir consolider à travers le pays, ça coule à Quatre Bornes. Et pour donner raison PMSD,
qui fin quitte le gouvernement à cause d'une tentative ignoble de changer la constitution de notre pays, changer la constitution de notre pays pour éliminer l'indépendance du DPP et de mettre à sa place, l'eau sur la tête, sauver pas à sa place, l'eau sur la tête, un comité de 3 personnes. Et ce comité-là, sa première version, c'était carrément Anirudh Jagannath, premier ministre, qui peut nommer sa 3 du monde. Qui est mauricien, tu peux accepter ça? À la place du DPP indépendant, un comité nommé de cette façon-là. Après, finalement, c'était un changement. Pendant la campagne, nous avons proposé ici un amendement constitutionnel important, un mini-manifesto, si nous voulez. Et ce amendement constitutionnel-là, pour changer dramatiquement l'île Maurice et la vie des Mauriciens, en particulier un PM qui ne peut pas faire plus que 2 ans consécutifs, 5 ministres qui ne sont pas parlementaires, qui vont dans tout un pays, et dans un ministre qui n'est pas parlementaire, parce qu'il nous manque de compétences souvent dans le Parlement. Troisième, une commission du Parlement pour approuver toutes nominations, arrêter sa bande d'affaires, famille, petit fille, garçon, cousin, cousine, ma tante, toutes affaires. Et donc, ça dit important. Gaitla nous a un speaker, Révinen Skoulola, qui non seulement un parent proche du Premier ministre et du mentor ministère, n'est-ce pas, mais qui un ancien candidat du MSM, ça n'est pas grave, mais il est aussi un futur candidat du MSM. Et ça, c'est bien grave. Et ça, nous pas mentionné. Il y a un ancien candidat, un futur candidat, il y a encore God, un constituency clerk dans le numéro 14. Il y a encore une autre constituency clerk là-bas. Ça qui a été du monde là, qui nous peut représenter, qui est nommé comme un speaker. Et vous pensez là, PMSD, pour venir avec une proposition pour qui ben une règle appointment speaker changer, qui ben du monde partisan qui fait de la politique active comme ça, qui encore peut faire politique active, arrêter, pas qu'un droit fait, et qui nous nomme dorénavant comme speaker, soit un ancien juge, soit un grand avocat qui est capable de montrer une impartialité dans nos institutions suprêmes. Voilà donc, en plus, avec notre candidat, nous avons un candidat brillant, exceptionnel. Notre candidat, c'est le renouveau politique. C'est en avant la jeunesse mauricienne. Un expert comptable, il y en a beaucoup, beaucoup ça. Un expert comptable, quelqu'un qui habite quatre bornes, quelqu'un qui a une passion pour la politique. Moi, vous dites où? 4 mois. 4 mois d'année sur le travail, nuit et jour. Nuit et jour. Pour cette circonscription-là, pour ces élections-là, ça démontre une passion pour la politique et quelqu'un qui a un homme moderne, qui croit foncièrement dans la méritocratie et dans la lutte contre le communalisme. Donc rendez-vous à tous nos partisans demain, rond-point Tulipe, pour la grande marche vers la victoire. Passe pas l'école à 10h45. Maintenant, vous venez un petit peu sur quelques thèmes importants néanmoins. Mon noté, qui sa fameux projet de camping de luxe, qui m'a fini la guerre, bec et on compte ce projet-là, mais il y a de nombreuses pressions. Ce projet-là de Patrice Hardy, qui est un mauvais projet pour le tourisme mauricien. 3 fois, mon frère ministre touriste, pendant des années, mon frère ministre touriste. Mauvais projet pour le tourisme mauricien. Il est très bon pour le tourisme et local, c'est-à-dire ben, Mauricien qui a envie de passer un petit moment à la mer, il est excellent. Mais c'est un poison pour le tourisme étranger, parce que du moment où on commence à faire mobile home et camping, nous peut downgrade nos touristes. Une fois, c'est beaucoup plus facile pour baisser une affaire, baisser une réputation, qui monte une réputation. Une fois où commence baisse réputation, pour faire du monde à passe vacances dans un petit lacasse, un petit mobile home. Mobile home, c'est causé là, hein?
Actuellement, si la case est faite comme ça, là, 3 étoiles, qui 5 étoiles, écoute, non. 3 étoiles, à bon marché, c'est la fin du tourisme de qualité. Jamais c'est celle pas tu peux accepter ça. Jamais Maldives pas tu peux accepter ça. Et c'est ça, ban là, nous ban concurrents, et c'est ça, ban là, nous ban référence. Et on condamne ça, on espère que le gouvernement ressaisit et que ce soit limité à touristes locaux. Ça, c'est une affaire. Au niveau salaire minimal, on espère que le rapport sorti bientôt. Nous souhaitons, nous ne pas faire de démagogie là, nous souhaitons qu'il tombe effectivement dans la tranche 8000 à 8500 et nous pour satisfaire si nous sommes dans la tranche là. Parce qu'il bien protège ce débat de l'échelle, en même temps il faut protéger l'emploi. Et en tant qu'un ancien ministre des Finances, on ne peut pas faire de démagogie sur ce sujet-là. Bon, heureux qu'il y ait un sondage. Ce matin, vous trouvez que Career Hub fait un sondage, un mismatch emploi des jeunes. Je revendique, après mon question UTM, Maurice, que la solution la plus rapide se trouve dans l'éducation tertiaire. Que si nous pas corrigeons nos banales universités, l'Université Maurice 62e en Afrique, l'Université UTM 229e en Afrique, l'Université des Mascarins plus que 300e en Afrique. Pas plus dans le monde, en Afrique. Et dans 150 pays d'Afrique, nous 300e. C'est l'Université des Mascarins là. Si nous ne pas régler ça, jamais nous ne pas pour régler le problème du mismatch des jeunes essayant de trouver un emploi à l'île Maurice. Maintenant, au siècle du chef en tout du monde qui est Goulboul, encore chairman GRA, et nous demande sur révocation, bien sûr, immédiate, c'est bien révoqué depuis très très longtemps. Bon, en terminant, et je passe la parole après Koumaren et Lanesh, nous constatons une montée du communalisme à Maurice, qui orchestré et encouragé par le gouvernement. Pravin Jagnat peut montrer le digne héritier de la bombe communale ambulante qui Béranger du même titre le Osanero Jagnat. On constate ça et dit tracassement. Le tracassement comme un Mauricien. Et me dit encore une fois que le PMSD est le seul rempart et le seul espoir, le seul rempart contre le communalisme, nous réunir tout le monde dans nos partis, et le seul espoir pour Maurice. Ce ban attaque que je te fais, ban insinuation que je te fais, loin de m'impressionner, et m'aurait dit à lui que mon vœu le plus sincère pour ce pays-là, c'est qu'il y ait un jour, et non, effectivement, un premier ministre issu du PMSD, pour qu'il soit capable de faire barrage à toute sa bonne tentative de division qui existait là. Ça content, passe la parole à, avant tout à Marraine, qui est venue notre amèche. La presse écrite parlait. Bonjour. C'est des temps dans plusieurs quartiers, plusieurs milieux. Côte du monde peut mettre une crainte de sa montée du communalisme. Et une montée du communalisme qui, comment nous tous nous pays, nous cause l'enc-en-ciel, nous brisons une cohabitation entre nous. C'est ça, nous, la force. Nous, vraie richesse, c'est sa cohabitation entre différentes communautés, différentes cultures, différentes religions. Mais malheureusement, quand ça peut sortir, pas qu'on est, mais dans quel intérêt ça peut jouer, ça l'est clair. Pour nous, au niveau du PMSD, nous décidons, vous déléguez moi avec une équipe, nous commençons à prendre contact, surtout avec mon socioculturel, pour faire autre part de nos craintes de sa situation-là. Et pour qu'il ne tombe pas dans sa main de pièce-là. Les regrettables aujourd'hui,
quand on trouve bien l'équilibre. Quand on a une fonction, on trouve une certaine pression pour qui X peut causer, Premier ministre peut causer, mais l'idée de l'opposition par un droit causé. Et ça, c'est pas mon modèle qui amène l'entente, parce que pays-là dépend de la balance. Mais pour ça, le soutien de la presse est très très important, parce qu'il comme un rempart pour contre le communalisme. Merci. Et en retrait, ça veut dire pas en retrait, mais c'est dire mettre en retrait, ça veut dire. Hein? Oui, il peut retirer de la campagne, exactement. C'est-à-dire, il reste toujours secrétaire général? Non, il n'est pas secrétaire général, non. Sous fonction syndicale, non, pour le bureau politique, pour joindre mercredi, pour demander quelqu'un d'autre remplacer, tant qu'il est en retrait. Voilà. À Europeo, tu fais une plateforme contre Vietnam, je rappelle, oui, certainement. Mais le monde y allait officiellement aussi, pas seulement avec Mohamed. Ah oui, 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 certainement. C'est tout une joie, exactement. Voilà. Mais pas nécessaire, l'action est prise. Si, une cause. Hein? Une cause. Alors, je suis content de dire. Effectivement, l'incident est passé, c'était mardi soir, et le mercredi matin, déjà, le secrétaire général, Mamad Kodabakas, il présente ses excuses. Et effectivement, au niveau du parti, nous finit causer le jour même de l'incident, qui finit arriver, ça va un mot qui finit utiliser mal choisi. Au niveau du parti, le leader et tout le monde nous causer. Nous trouvons que ça va nous là, mal choisi, de déplacer. C'est la raison pour laquelle, qui justement, tout de suite, le secrétaire général lui présente ses excuses. Et moi aussi, sur ma page Facebook, je finis dire qu'il me finit condamner les propos. Je trouve que les propos de Mamad Kodabakas sont déplacés et mal choisis. Donc, vu que le Mamad Kodabakas lui présente ses excuses, et que moi, en tant que porte-parole, et que madame, qui ancien ministre, moi aussi me dire que ce mot me trouvait, que ce mot m'a choisi et déplacé. Donc, par finir dans le lieu, je vais faire conférence de presse pour me redire ce qu'il m'a déjà dit. Et nous prenons action. Ce soir-ci, nous prenons action, c'est nous. Hein. Voilà. Merci. Donc, manifestons, c'est une cause de cinq ministères. Qui sont les cinq ministères? Hein? C'est à choisir. Ministère des Finances, ministère de la Culture. À choisir, mais c'est de la femme peut-être. À choisir, c'est peine en compétence. Tout, quelqu'un d'Angleterre, par exemple. L'Angleterre, il y a House of Lords. House of Lords, c'est pas dans le monde élu, ça. Donc, il faut apprendre depuis là-dedans. Et nous, maintenant, Lord et Divine Ministre. En France, c'est totalement ouvert aux Seychelles. D'ailleurs, tout le ministre, c'est à choisir de la société civile. Donc, il y a un monde très compétent. Pas pour dire que un député pas compétent, mais quelquefois, pareil comme on a un mismatch dans le marché de l'emploi, mais il y a un mismatch aussi dans le Parlement, au niveau du ministère attribué. Vous pensez que, par exemple, nous avons pensé demain, ministère coopératif. Il y a une personne qui est dans le Parlement qui a une expérience dans la coopérative. Ben, on a un monde en dehors, comme ça, très bien. Mais c'est l'agriculture, par exemple. Madame, comme ça, que vous pensez qu'il est très important. À la veille de 50 ans d'indépendance, nous devons regretter nous-mêmes. Ce n'est pas regretter nous-mêmes. Ce n'est pas remettre nous-mêmes en question. Que ce soit l'unité nationale, que ce soit méritocratie, que ce soit nos constitutions. Mais nous pourrons rater ça à l'occasion. Il ne faut pas le 50 ans anniversaire, les systèmes faits d'artifice. Ce serait dommage. Est-ce que l'incident de Mamad Kodabakas n'a pas mis mettre la pression d'Anesh Maraï à la veille de sa nomination? Il paraît qu'ils avaient ajusté ce nœud quand le temps de négocier là. Non, moi, pas du tout. Candidat dans l'élection, il a déjà vu le dernier jeu. Est-ce qu'il paraît trop vivant qu'ils avaient ajusté ce nœud quand le temps de négocier, effectivement, il peut que Zandres s'échoue de sa rapture de Maraï? Non, on va pas penser du tout. On va penser qu'on dirait que ça s'est grandi. Et d'Anesh, il a vu mettre en phrase là. Bien.
Mais en tant que leader, pas vous réviser un peu, parce que du monde, si vous prenez la parole, il fait attention, ben vous, aussi, je viens de oui, dire. Oui, mais vous avez fait un peu de c'est une fois qu'il est arrivé là, hein, et maman est connue pour son joke, et demande à faire ça. Donc, c'est pas comme si nous exagérions. Au contraire, mon père, nous avons réalisé que Carola Pangue m'a retiré. Mme Ramoula m'a encore la même, Paul Béranzé encore la même, Tarola encore la même, et Retna encore la même depuis belle, qui n'a encore 600 ans encore la même, Djarangé encore la même, et nous, Soudan la même. Donc on pensait au contraire, moi je m'espérais, je trouvais extrêmement positif. C'était nous faire une affaire extraordinaire, nous faire montrer la voie que tout le monde est capable de suivre en termes d'action immédiate. Maman, je connais pas si c'est bizarre. Demande excuse à Mayal Mandé. Pas en tant que speaker. Non, moi, bon, c'est des plus bons comme ça. Concernant cette affaire du communalisme, vous voulez dire, est-ce que cette élection-là n'a pas fait une tremplin de raté au niveau de tout le monde, quand on veut le profil de candidat que je viens de choisir, ça peine dans le PMSD, MMM. Peut-être que c'est encore une fois montre la différence du PMSD, mais qu'est-ce que j'ai été vous top tout. Donc à partir de lundi, c'est une nouvelle campagne, un nouveau type de campagne. Non, nous sommes très satisfaits de la campagne. Très satisfaits de la campagne, vraiment. Et c'est une campagne sobre. C'est une campagne que nous réalisons que ce n'est pas grand rôle, faire du monde voter, mais l'augmenter. C'est une campagne que nous voulons faire de la proximité, beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de réunions privées, de réunions nocturnes. C'est une campagne, pour l'instant en tout cas, qu'on ne va pas trop violence, à part une issue avec aussi badette. Moi, je me trouvais qu'il y a une campagne parfaite, pour l'instant. Et je me trouvais qu'il même pas dans fait bon drôle de chérie inarrêté. Moi, je me trouvais qu'il y a une bonne campagne. Je me trouvais que ça a bien changé. Ok? Merci beaucoup.